Allez, ça filme. Tie break face à Alex Pancano. On va voir s'il arrive à faire des coups droits lissés. Je joue à fond ou... Oh non, mais putain, il passe la. La il va faire du bruit avec sa fille là. On s'attaque. Pas dedans en fait. Oh là. Ouais. Il y a la leçon, ouais. Il y a une vidéo là-dessus. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Ah bon? J'y arrive toujours pas. C'est un bon départ, hein. Elle est belle, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je pensais qu'elle sortait là. Bah, moi aussi. 3 points. Ah, comme d'habitude, ouais, c'est vrai que le tie break c'est chaud, hein, t'as intérêt à être vite dedans, tu peux vite te faire manger. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais c'est pas au bon endroit. Thank you.
Allez, c'est parti pour l'analyse. T+, Alexandre, ta volonté d'amener de la nouveauté dans ton jeu avec des coups liftés, exemple ta relance longue en revers, qui t'a fait faire le point là. Ton moins ou tes moins, trop de fautes directes en relance et au service. Tu m'as lâché 4 ou 5 points directs, donc ça, c'est pas possible dans un tie-break, c'est trop court. Et ton futur plus, relancer au centre long pour neutraliser. Il faut absolument que tu arrives à neutraliser ton adversaire et à faire le moins de fautes possible sur ce coup-là. Deux points encore, je vais jouer à fin sur ton coup droit. Donc là, on fait un after-match. On fait quelques petits réglages où on joue sans compter. Je joue que sur son coup droit. C'est un exercice que tu retrouveras sur mes vidéos aussi. Donc là, son but, je lui dis de jouer uniquement lifté. Donc vous voyez qu'il arrive quand même à bien jouer, bien long, bien lifté. Donc faut qu'il persévère. Il est encore un peu fragile. On va l'entendre dire qu'il se sent sur les talons. Voilà, il a dit je suis en arrière. Et là, on finit tout simplement par de l'engagement à la cuillère. J'avais vu une époque, il y a très très longtemps, une dizaine d'années, sur un tournoi WTA, Tatiana Golovin, qui ne joue plus à cause d'une longue maladie, faire ça juste après ses matchs. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais en fait, c'est assez sympa de se re-régler après ses matchs. Donc n'hésite pas à faire ça si tu en as l'occasion. Un petit point de règlement au passage, les piquets de simple sont situés à 0,914 mètres de la ligne de côté de terrain de simple. Sinon, j'organise un jeu, presque un jeu concours de coaching de ton tie-break. Je fais une analyse en sandwich du match de la première personne qui m'envoie sa vidéo de tie-break sur teachtennis87.com. Du coup, après, je poste ton tie-break, je poste ta vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de t'inscrire, ça me ferait plaisir pour développer ma chaîne. À bientôt!